Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Final Kids. Là on s'en va au Estrieide, encore une fois, parce qu'il y a un collaborateur qui s'appelle Jean-François Ouimet qui nous a dit qu'il y avait des les frissons à Nanchi. Il a envoyé une photo puis on a vu qu'il y avait pas mal de les frissons, fait qu'on va aller chercher ça. Ben John va en chercher pas mal plus que moi parce que... Toi t'en as déjà, toutes. Je les ai vu sa photo puis on les a... J'ai les ai pas mal toutes. Mais John, par exemple, on a toute une petite bagarre là, qu'on va se faire. Là, Ouais, c'est ça. Moi, je veux les gardiennes. Gab, il les a pas, puis moi non plus. Puis Gab, il dit que ça fait 20 ans, blablabla. Ah, ta gueule. Fait qu'on va sûrement se fighter un peu dans la cour, là, pour voir qui c'est qui va les avoir. Parce qu'il y a un gardienne 1, puis un gardienne 3. Ouais, nous autres, on a juste le 4. Ah, t'as le 4? Ouais. Ok, parce que moi, j'ai le 4. Fait que ça risque d'être un esti challenge. Fait qu'on va s'en voir dans l'Estrieide, voir qui c'est qui va pogner ces livres-là. Ok, Estrieide, we go. Fait que là. Pas non, fuck you, man. T'as pas le droit, esti. C'est kiff-kiff, man. 50-50. Divan, je me pète la gueule. Il faut qu'on montre le divan, man, que je vais avoir, man. Hein? Hein? Non, il les aura jamais. Il les aura jamais. La seule. Je pense. Je laisse les deux gardiennes à John. Puis moi, je prends. Portée disparue et le passage secret. Mais j'ai jamais vu ces livres de ma vie. Non plus, j'ai jamais vu. Ils devaient avoir au moins un million de dollars chaque. Hein? Je prendrais tout ça. Tout ceux-là? Ben ouais, c'est ceux-là que j'ai pas. Ceux-là d'en haut, ici, je les ai déjà. Ok. Bonjour tout le monde! On a pogné des petits livres. Qu'est-ce que t'as pogné, John? Des livres? Bon, là, on a tous pris des livres. Ben, il reste genre 3-4. Fait que si vous tripiez vraiment là-dessus, ben, tout bad. Ouais, c'est même sur les sondages, juste les deux. Ouais, c'est ça. On va montrer ça un peu en. Comment qu'on dit? Pas en profondeur. On va montrer quick parce que sinon, Chris, ça va prendre la nuit. Mais merci, Jeff, de la plug. Ouais. Finalement, je les avais pas toutes. Ouais. Puis on va vous montrer le parti, pas le parti pris, mais le compromis qu'on... ouais, on a fait un... C'est moi qui vais voir les gardiennes, finalement, on a fait un deal. Fait qu'on va commencer avec ça. C'est quoi, vague de peur? Mais c'est un double. Slash obsession. Obsession. Sinon, les flammes accusatrices. Les pochettes, regardez quand les pochettes sont sick sur ces... Ben c'est quand même comme des pochettes de VHS, mais c'est crissement cool. Ouais, ben tu sais, celui-là, man, il est sick en criss, là. Le petit squelette. Ouais, j'ai jamais aimé, pardon. Hein? J'ai jamais aimé, celui-là. L'histoire ou la pochette? J'ai jamais lu. Parce que celui-là, ça a l'air un peu de la marte, mais rêve fatal. Ouais, cool. Sinon. Lui, je l'ai lu, il est crissement cool. Ange ou démon avec un espèce de rip-off de David Hasselhoff. C'est vrai, oui. Je sais pas si. En tout cas. C'est plat qu'il est pas lui. Non, David Hasselhoff qui poursuit des enfants, genre. Il est là. Hostie, c'est pour ça, David Hasselhoff. David Hasselhoff. Ouais, Poisson d'avril. Il est cool. Moi, je me souviens plus de grand chose de ce livre-là, à part La Gardienne, parce que j'ai lisé à l'école. Lui, il est hot en salle. Mais je sais que ouais, c'était cool. Bonhomme de neige. C'est un de mes préférés, moi. Ouais. L'admirateur secret doit être nice. Je sais plus. Je sais pas. Hey man, ça fait longtemps, Chris, j'ai pas lu ça. La robe de balle. Ça, c'est hot. Ça, là, il est cool. Clair un peu, sinon. Les griffes ça doit être sick. Mais lui, il est sick. C'est genre un des seuls un peu surnaturel slasher. Ouais, ça a l'air hot. Va... Habituellement, c'est un tueur qui tue puis c'est un humain, mais lui, c'était weird. On va lire la prémisse, c'est ça qu'il appelle? Le pénis. Le pénis. Le prénis. Le prénis.
Bon, tout commence par une petite fête suivie d'un jeu de cache-cache innocent qui devient vite un jeu de pleurs, de grincements de dents et le tout se transforme en meurtre sanglant. Fini la partie, chacun peut soupçonner l'autre ou alors peut-être quelqu'un d'autre a-t-il décidé de pousser le jeu plus loin, trop loin, peut-être. Comme vous voyez, ben, je lis de même dans la tête, que ça me prend 8 ans à lire un livre, parce que je lis fucking pas vite. Ouais, c'est découragé après 2 secondes. Ta gueule, c'est... Ben, non, moi, ma richesse est intérieure. Ouais. Ben, c'est ça, sinon, La Gardienne 3. Ben, c'est lui que j'ai, je pense. Non, c'est le 3 que j'ai. Je sais pas, mais t'as le 4 aussi. Mais La Gardienne, ça, c'est mon préféré, c'est nice. Je me sentais full jugé, comme si je faisais un oral à l'école. De? Ben là, je lis devant l'internet. Allez, il m'a dit non, c'est pas bon. Le premier, La Gardienne avec la fille qui a une face louche. Ouais, ça c'est cool. Mais c'est cool pareil. Il appartenait à Nancy Guillette. Eh hey, man, c'est la même. C'est la même, elle les avait toutes. La même que mon lit. Qui est à l'appareil, on va espérer que c'est un genre de When a Stranger Calls ou dans ce style-là. Non? Plus weird. Plus weird, nice. Plus weird que ça. J'ai hâte de voir. C'est plus, même s'il avait fait un film à partir de ce livre-là, Christ que ça serait nice. Ouais, mais... Mais s'il avait fait des films, moi c'est ça que j'ai pensé depuis le temps que je lis de ces livres-là. Là. S'il faisait, ouais, des s'il faisait des, ouais, des adaptations, man. Puis pas nécessairement des films au complet, mais tu sais, juste comme mettons. Ouais, des anthologies. Ou... Ouais, là, des petites histoires genre d'une heure, là, mais ça serait calissement fou. Ouais, man. C'est clair. Mais c'est ça, c'est, ça a été quand même écrit là, la plupart par le même qui faisait Stein, les Goosebumps. Les Goosebumps, pis tout, ouais. Mm-hmm. Fait que Terreur à Saint-Louis avec une affaire de parc d'attraction de maison. Ça, tu vas l'aimer, c'est frais, cool. Ouais. Qu'il y a une espèce de smudge de caca en forme de dick. Eww. On va laver. C'est torché avec. C'est un peu comme, oh, ouais, fuck you! Oh, le retour de Bob. Celui-là, lui, t'es bon, ouais. Ça me dit rien, mais ça a l'air d'être une affaire de lover, là, qui ouais. Capote, pis... Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, mais je me rappelle Christmas pas. Non, ça a l'air d'être ça. Sinon, L'Invitation trompeuse. C'est chier, là. Ça, c'est une affaire de rock'n'roll, je pense, peu, man. Ouais. Ouais, lui, il n'y a pas une limitité, mais c'est une affaire de rock'n'roll, ça. Mais c'est pas grave, on les ramasse toutes, puis quand on en pogne un plus beau, ben on le change. Ouais, c'est pas grave. Quel rendez-vous. Ça, lui, man, c'est le premier que j'ai lu, puis Chris, que c'est. Le cadre de la terreur, je pense que je l'ai déjà, celui-là, mais c'est pas grave. Moi, ouais, c'est celui que j'avais donné point sonné. C'est pas grave, je vais avoir un bon point sonné. Tu me donnes-tu? On check ça. Cœur traqué. Asti, on a quand même pogné gros, là. La fenêtre, la pochette est sick, avec un lettrage un peu genre rock des années 80, là. Ouais, ça c'est hot. Sinon, l'album souvenir. Mmh. Et le chouchou du professeur. Grosse amigos. Fait que c'est ça, fait qu'on a tout pris qu'est-ce qu'il y avait. Encore merci à Jeff Wimet pour la plot. Ouais, thanks Jeff, puis je vais montrer les deux miens. Ouais, on va montrer celui que Gab a choisi. Notre compromis, dans le fond, Gab a décidé que si j'y laissais ces deux-là, il me laissait les gardiennes. Fait que moi j'ai fait comme, let's go for it. Bon, mais ils sont plus rares, hein, parce que en 20 ans de carrière, de recherche de les frissons, j'ai jamais vu ça. En 20 ans de carrière, grosse carrière. C'est juste ça que je fais. Genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, moi, ben. Non, mais pour vrai, sérieusement, tu sais, ça fait longtemps que j'en cherche quand même, là. Puis, habituellement, je vois tout le temps les mêmes, ceux-là. Tu sais, moi, je les ai tous, ceux que John a. Fait que, tu sais, maintenant, je vois tout le temps les mêmes. J'en ai quand même beaucoup. Ouais, on va les montrer dans la même vidéo. On va aller vous donner un peu, mais veux juste montrer autres, hein? Un petit sneak peek. Enfin, moi, j'ai pas les autres. Fait que soit. Le cache-don avec ta grosse main plus le titre. Je vois pas qu'est-ce que tu. Fait que le 13. Portée disparue, puis le passage secret. C'est 13, ça c'est 54. Donc, c'est quand même des vieux, ils sont pas trop récents. Ouais, c'est pas des astis de super frissons. Non, c'est ça. Puis, ben c'est ça en fait, c'est parce que je trouve tout le temps les mêmes, ce qui fait chier. Fait que quand j'en trouve que j'ai pas. Mais t'as donc la pile de shit là, qu'on check ça. Gab, il y en a en tabarnak. On les avait montrés dans la vidéo de son room, mais. Dis-toi qu'on capote sur ça, mais c'est ridicule en tabarnak. Il y en a là, puis en arrière. C'est la même affaire. Fait que dans le fond, il y a comme deux étages de frissons, puis c'est quand même nice. C'est qu'on se trouve d'autres hobbies quand on n'a pas de film. On fait comme tabarnak. Pour se trouver d'autres choses à collectionner. Ouais, pour, avoir Netflix. Ok. D'autres choses à collectionner. Mais non, c'est nostalgique, là, style. Ouais, moi, c'est nos livres qu'on avait quand on était petit. Puis tu sais, on n'écoutait pas des films d'horreur. Ben moi, personnellement, je lisais ces livres-là parce que ça me donnait le même thrill. Ouais. Je trouve ça crissement épeurant. Moi, je vais te dire pourquoi j'aime ça. Parce que, à l'école, ben, moi, j'ai jamais été un grand lecteur parce que je trouve ça un petit peu boring, mais
quand on n'avait pas le choix de lire, ben c'est quoi je choisissais? Des Torgal à cause que les filles étaient à poil. Ça ou les chroniques de la lune noire, là. Ouais. Ou des frissons, ou des livres de dont vous êtes les héros pour jouer au jeu avec... Genre dans le temps, le monde marquait tout le temps plein de shit dans la marge, pis là t'essayais de suivre le... on jouait pas au jeu. Les histoires, c'était de la merde, fait qu'on fait juste lire pis c'est that's it. Mais en tout cas... Fallait jouer avec des idées pis tout, man, fuck off. Ouais, c'est ça. On jouait mais à notre façon. Fait que dans le fond, c'est ça, gros feeling nostalgique, fait que... On écoute un film? Ouais, on va aller écouter un film. Là, on manque de temps sur la caméra, fait qu'on va dire à la prochaine. Merci d'avoir écouté, on se revoit dans une autre vidéo.